beautiful afternoon to all those watching us. It's a pleasure having you on our midday bilingual newscast. And our top stories, two new cases of the coronavirus have been confirmed in Yaoundé, bringing the total number to 94 in the country. To bar the way to the coronavirus, the Minister of Public Health has called for collective efforts. As the COVID-19 figures increase by the day, government too is stepping up measures to contain the disease, with the Yaoundé 3 Council launching a coronavirus awareness campaign. And our feature page today takes us to Bouéné village, situated some few kilometers from Yabassi, to witness the enthronement of His Majesty Arnaud Etteki as traditional ruler of Bouéné. A development of these stories and more in the next 30 minutes. Cathy, we begin our newscast with measures to contain the spread of the coronavirus in the country. Effectivement, nous offrons ce journal par la lutte contre le coronavirus qui s'intensifie dans la ville de Yaoundé. Les établissements hôteliers de la capitale camerounaise passent pour le renforcement des mesures préventives. Ça se voit déjà sur la façade extérieure de ces espaces. Les hôtels qui hébergent plusieurs personnes sont donc mis en quarantaine. L'accès est conditionné par le respect scrupuleux et strict de ces mesures gouvernementales. Le reportage de Joël Igor Abanda. Cet hôtel a été réquisitionné par le ministère de la Santé publique pour héberger des personnes mises en quarantaine. Ici, les mesures préventives contre le coronavirus ont été renforcées. On a un protocole que nous suivons. Ça veut dire que dès que vous arrivez dans notre hôtel, dès l'entrée, vous avez déjà un dispositif qui vous accueille, dont vous vous lavez les mains avec un liquide. Vous avez de l'eau coulante. De l'eau coulante, c'est pour que le virus, si jamais vous l'avez, ou un microbe quelconque, que pendant que vous le lavez, ça descend directement et ça ne reste pas dans de l'eau. Maintenant, arrivé dans le grand hall, si vous vous dirigez dans un bar ou dans une chambre, il y a un autre dispositif. Celui-là, c'est un liquide où vous vous nettoyez les mains en direct avant de toucher à quoi que ce soit. Et au niveau des étages et des ascenseurs, nous désinfectons l'ascenseur tous les 1 heure de temps. Depuis l'arrivée des mises en quarantaine, dans cet hôtel, les mesures ont durci, la sécurité policière aussi. La restauration se fait désormais par kit destructible après usage. Donc ces kits après service ne reviennent plus dans nos locaux. Ils sortent directement dans des sacs et il est envoyé soit en poubelle directement, ou alors ceux qui sont à incinérer, nous les mettons dans un fût qui est là derrière. Et nous allons y procéder. On va verser de l'alcool et on va verser du feu pour anéantir toute velléité possible. Dans cet autre hôtel qui héberge les députés, l'accès est conditionné par le respect des règles d'hygiène préventives. Dans ma chambre, j'ai 1 litre d'alcool. J'ai également une solution hydroalcoolique. Ça fait du coup que lorsque je reçois des visites, je désinfecte déjà les poignées de la porte et même là où les invités se sont assis, je désinfecte. Et lorsqu'on descend maintenant au niveau de la restauration, avant d'entrer dans le restaurant, vous désinfectez d'abord vos mains. Vous portez les gants, arrivez, quand vous allez manger, vous enlevez les gants, vous désinfectez les mains, vous entrez, vous mangez, dès que vous terminez, vous faites la même procédure. Au restaurant, tout le monde est soumis à un mini check-up. La mesure de distanciation est de mise. Ce sont là les règles gouvernementales. Il faut les respecter. Au niveau de l'hôtel, nous suivons les directives qui ont été données par le Premier ministre et nous les appliquons à la lettre. Au niveau de la guérite, les dispositions qui ont déjà été prises, vous avez vu un robinet avec du savon. Au niveau de la cour, il y a plusieurs robinets aussi qui ont été placés par endroit. Au niveau de l'entrée de l'hôtel, il y a le gel hydroalcoolique qui est, n'est-ce pas, juste à l'entrée de l'hôtel et devant l'ascenseur. Depuis l'entrée en vigueur des mesures gouvernementales, de nombreux hôtels cherchent clients. C'est le cas de cet hôtel situé non loin du centre-ville qui reçoit désormais à peine 2 à 3 clients par jour. Le restaurant et le bar sont pratiquement vides en cette mi-journée. L'administration de l'hôtel a d'ailleurs été obligée de mettre le personnel en congé technique.
Et le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, vient encore d'annoncer deux cas de coronavirus positifs dans la ville de Yaoundé sur les 32 échantillons testés dans quelques villes du Cameroun. Nous y reviendrons. Et maintenant, on va voir les mesures barrières contre le Covid-19 dans les supermarchés et grandes surfaces. Le lavage des mains est systématique, mais également on peut apercevoir les solutions hydroalcooliques et surtout le respect des distances sociales des clients. Les responsables de ces espaces marchands sont passés à la sensibilisation pour permettre aux clients de rentrer dans le bain en toute sérénité. Le reportage de Franck Evina. Nul n'entre ici sans se faire laver les mains. Dans ce supermarché, les gels désinfectants sont à la portée de tous les clients. Une fois les emplettes faites, il faut respecter les règles de distanciation devant les caissières, elles aussi en mode protection. Les normes de distanciation entre les clients au niveau des caisses ont été matérialisées à travers des barres qui sont inscrites sur le carrelage, sur le sol. Pas d'écart entre deux clients. Ici, on désinfecte les équipements d'usage courant, comme les chariots. Dans cet autre supermarché de Yaoundé, les bonnes affaires riment aussi avec les bonnes et de distanciation. Pour éviter justement le contact entre deux personnes, il y a un mètre qui sépare le client. Et, Total number of 94 cases in the country. The Minister of Public Health via his Twitter account says the two positive cases are part of 32 samples tested in 8 towns in the country. Meanwhile, hotel managers in the nation's capital are scrupulously applying the measures put in place by government to fight the COVID-19. They make sure that staff and clients constantly wash their hands with water and soap plus sanitizers and respect social distancing. Cynthia Etim tells us more. This is the main entrance to this hotel. Here, like in many other hotels in Yaoundé, a bucket of water and soap is placed at the entrance to the hotel. Hand sanitizers are equally made available. Hand washing is compulsory for all. Management and staff are making sure the measures to reduce the spread of the coronavirus pandemic are respected to the latter by customers and staff. They say the coronavirus respects no status, and respecting basic hygiene rules is the only way out. In the hotel, everybody who comes in, first of all, should wash hands with that soap. When you reach in the restaurant, you have that thermoflash for temperature. At the level of restaurant, special measures are being taken to respect social distancing. Yeah, we have food. In takeaway, it is a measure to prevent physical contact. Business for most of these structures is slow now. Since 17th of March, it is difficult to somebody now to lodge in the hotel. Hotel managers are ensuring the effective implementation of government measures while nursing the hope the coronavirus is contained soonest so their business can blossom again. Supermarkets in Yaoundé are also implementing the measures put in place to limit COVID-19 in the country. Hand sanitizers greet customers at the entrance to the supermarket, while floor distance guides have been placed, obliging buyers to respect the 1 meter social distancing. Details in the following report. Sanitizing hands. The first thing customers do before entering this supermarket. I think that it's important to apply what we are supposed to do to prevent coronavirus in our society because it's something which can kill all of us. Everyone, irrespective of class or social status, respects this ritual meant to put the coronavirus out. I noticed that there is no much people here, and it's one of the measures that we are supposed to do. I'm comfortable with the measure. Safety measures to stem the COVID-19 in supermarkets are visible. Floor distance guides have been placed for those queuing up at the counters. At the beginning, it was a little bit difficult.
But 2 days, 3 days after, everything has been going on, and now we are quite satisfied by what has been done. Supermarket trolleys are given a thorough clean every now and then. We observe. There is an observation that is done at a distance. We observe, all right? And if they don't do, for example, when there is a queue in the morning at the boulangerie, we make sure that 1 meter is respected. Customers are also reminded of the importance of hand sanitizing and social distancing to bar the way to the coronavirus. From the center region, we take you to the southwest region, which has not recorded any case of the coronavirus. All three persons who were suspected to have contracted the disease have tested negative. Medical officials say they were suffering from ordinary flu and not the coronavirus. Details with Regina Ngaledoko. These beds were once occupied by the suspected cases of COVID-19 in Boyer. With their lab results being negative, the population of the southwest region, particularly those in Limbe and Boya, can now take a sigh of relief. We were aware of some few suspected cases, and as the protocol states, we took the samples of the suspected cases and sent to the Centre Pasteur in Yaoundé. We are glad to have had the results, and all those samples have been tested negative for the coronavirus. This information comes to debunk the news on social media that the Boya Mountain Hotel is host to COVID-19 patients. We have one of our clients who voluntarily wanted to do the tests, which she did. Praise be to God, her test has come and it is negative. Health officials have urged the population to double efforts in observing measures taken by the government so as to maintain the status quo. Self-consciousness and self-discipline is highly needed from our population right now. And if every single Cameroonian should do that, collectively, the southwest region will be safe. Prevention, therefore, remains the key word to the population of the southwest region. The Yaoundé 3 Council has launched a coronavirus awareness campaign aimed at sensitizing the population of the area on how to prevent the COVID-19. The mayor of Yaoundé 3, Lucas Owona, who is spearheading the campaign, is benefiting from the support of medics of the Fulan District Hospital, as well as security and administrative authorities. For more details on how the campaign is unfolding, let's hook up with our reporter, Gilbert Ongene. Hello, Gilbert. Hello, Rainatu, Sally, Catherine, Tulu, Elanga. Welcome to downtown Yaoundé. We are at Ahala with the Yaoundé 3 Council, which is carrying out a special operation aimed at sensitizing the local population here on the prevention of the COVID-19, the coronavirus, which is, of course, ravaging many lives across the globe at the moment. And we are going to be talking with the Secretary General of the Yaoundé 3 Council, Madame Ashu. Good day, madam. Welcome to CRTV. Thank you. Good day. Now, tell us, what does this campaign consist of? This campaign is to sensitize the population of Yaoundé 3 about the pandemic of coronavirus, COVID-19. Yes. So what do you do concretely on the ground? Right now, we are distributing sanitary kits to the population. The sanitary kits involve a 50-liter gallon of water, a tablet of soap, and a reception bucket. We are also distributing a sensitization flyer on the regulations of hygiene recommended by the World Health Organization. We are doing this sensitization to implement the 13 prescriptions given by the government on the regulations to take in, to put into place by the government concerning this pandemic of coronavirus here in Yaoundé 3. We also have support from the district of Ifulan. The hospital is supporting us. This operation is going to take place from today, the 28th, right up to the 28th of April, and then we are going to see its effect on the field and so on. Okay, thank you very much. Yeah, you heard there, Madam Ashu Eposi, who is Secretary General of the Yaoundé 3 Council. That's how this operation is unfolding here on the ground. Back to you, studio.
Thank you, Gilbert Ongenek. Cathy, we hope the population gets the message. En tout cas, c'est le souhait du maire de la commune de Yaoundé 3e, Luca Onana, qui a pris cette initiative de sensibiliser la population sur les gestes à adopter pour lutter contre le Covid-19. La campagne sera également marquée par la distribution des bidons et des robinets dans certains quartiers. Retrouvons sur place Étienne Pascal Azégué. Bonjour. Bonjour Catherine, bienvenue ici à Hala, à l'entrée est de la ville de Yaoundé, au lieu dit Barrière, qui constitue d'ailleurs la 5e étape de cette campagne de sensibilisation, initiée depuis ce matin auprès des populations par l'exécutif municipal de l'arrondissement de Yaoundé 3e. Comme vous le savez très bien, il est question de répercuter des mesures prises par le gouvernement camerounais afin de freiner l'infection ou alors la contamination coronavirus dans notre pays. Je m'en vais tout de suite me tourner auprès du maire de la commune de Yaoundé 3e, M. Ouna Lucas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, dites-nous en quoi consiste cette campagne de sensibilisation que vous avez initiée depuis les premières heures de cette matinée dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. L'opération d'aujourd'hui consiste à répercuter les consignes du gouvernement, du chef du gouvernement, qui voudrait qu'on sensibilise nos populations par rapport à la maladie qui se vit dans le monde entier. Il s'agit de faire quoi exactement depuis ce matin? Ce matin, il s'agit de déposer des kits pour que les populations lavent les mains avec le savon et donner quelques consignes prescrites par le gouvernement par rapport à cette pandémie. Alors, qu'est-ce qui justifie le choix des différentes étapes de ce matin? Il faut dire que nous sommes à la 5e ici à Hala. Oui, c'est les zones les plus animées de notre arrondissement. C'est-à-dire, comme on a commencé aujourd'hui, on a déjà été au marché d'Ensam, le Carrefour Ensam. Maintenant, nous nous trouvons au Carrefour à Hala. Et par la suite, dans tous les cas, on a d'abord ciblé les endroits les plus populeux. Merci, monsieur Lucas Ouna. Vous êtes le maire nouvellement élu à la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e. À vous, le studio, Cathy. Merci beaucoup, Étienne Pascal Azégué. On va maintenant voir à Garoua, dans la région du Nord, comment la ville se porte en cette période où le coronavirus sévit au Cameroun. Il n'y a pas encore de cas enregistrés dans la ville de Garoua, mais en tout cas, le sous-préfet de Garoua 1er était sur le terrain, accompagné des forces de défense pour veiller au respect strict des mesures gouvernementales. Oumarou Bakari. Il est 19h, les gares Goth, Bar et autres circuits du quartier Yeloua, notamment Kolbives et quartier Bamileke, se vident peu à peu de ses hôtes, laissant place aux équipes des forces de maintien de l'ordre et de sécurité, accompagnant le sous-préfet de l'arrondissement de Garoua 1er. Ismaïlou Adama est venu s'assurer du respect des heures de fermeture des bars, restaurants et débits de boissons tels que prescrits par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Les débits de boissons, les restaurants sont fermés. Nous avons également visité du côté des mairies et tout pour voir les zones où il y a la vente de la bière locale. Ces lieux de consommation sont fermés. Au quartier Yeloua, tout comme à Djamboutou et à Ourolabo, où l'autorité administrative est passée, un constat se dégage. Les populations respectent les mesures gouvernementales malgré quelques cas d'indiscipline. Certains qui ferment le bar par devant et l'ouvrent par derrière pour sensibiliser tous les autres qui restent ouverts pour l'instant. Les salons de coiffure, pour certaines boutiques, pour qu'ils prennent des dispositions pour le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Les populations doivent donc s'arrimer à ces mesures jusqu'à nouvel ordre parce que leur vie en dépend. Dans le reste de l'actualité, 4 projets de loi déposés hier sur la table des députés à l'Assemblée nationale. Les 9 commissions générales en charge de l'étude des affaires étaient soumises à l'Assemblée nationale. C'est donc ce qui a constitué la séance plénière hier qui a été présidée par le chef de cette chambre. Le reportage de Claristan.
La constitution des commissions générales fait suite à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les 9 commissions, loi constitutionnelle, finances et budget, affaires étrangères, défense nationale et sûreté nationale, affaires économiques, éducation et formation professionnelle, affaires culturelles, production et échanges et résolutions et pétitions, ainsi que leurs présidents, vice-présidents et secrétaires, sont connus. Précisons qu'à l'exception de la commission des finances et du budget, qui peut siéger en tant que de besoin, les autres commissions et sous-commissions ne peuvent valablement siéger que pendant les sessions. Les commissions générales sont composées de 20 membres chacune. Ces commissions, présentées par le très honorable Kava Yégué Djibril au cours de la présente plénière, vont d'ores et déjà se mettre au travail. Le chef de chambre a dans la foulée présidé la toute première conférence des présidents qui a réuni les membres du bureau. L'instance a jugé recevable 4 projets de loi soumis par l'exécutif. Les projets de loi seront des suites présentés à la Chambre entière au cours de la seconde séance plénière de la journée présidée par le président de l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé instituant la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en abrégé CEEAC, signé le 18 décembre 2019 à Libreville au Gabon, du projet de loi autorisant le président de la République a procédé à l'adhésion du Cameroun à la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, adoptée le 13 février 2004 à Londres, en Angleterre, et du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, adoptée le 14 février 2014 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ces textes seront défendus par les ministres de l'Économie, des Transports et du Travail, assisté pour la circonstance par le ministre des Relations extérieures devant la Commission des Affaires étrangères. Le 4e projet de loi régissant l'activité postale au Cameroun sera défendu par le ministre des Postes et Télécommunications devant la Commission de la Production et des Échanges. Yabase in the littoral region, our feature page takes us to witness his enthronement. 100 years, the Bouane village, situated few kilometers away from Yabase, chief town of the Nkam, was without a leader. It is a dream come true for the population of this community that will hence have an authority who will run the affairs of the village. His Majesty Anoda Tekina has the responsibility of ensuring the area's development. A task, he says, will begin with the installation of antennas to provide communication network in the village. Il y a beaucoup à faire. There is so much to be done in this village, so I called on my brothers and sisters to join me in the development plan. It's quite a shame that in this 21st century, one can't make a call or receive one in this village. So I will begin by installing communication antennas. The inhabitants of this locality have promised to work hand in glove with their new leader for the growth and prosperity of Bouane. We expect from His Majesty is development in fields of education, road networks, and we are ready to accompany him. The cultural garden was marked by a series of musical presentations, and gifts were also handed to the new chief, who is also the director general of an advertising company in the country. Le nombre de personnes touchées par le coronavirus porté à 94 au Cameroun, c'est un message du ministre de la Santé publique à travers un tweet. Il a donné les détails et beaucoup de précisions sur les 32 échantillons qui ont été testés dans quelques villes du Cameroun. 3 cas sont enregistrés dans la région de l'Ouest depuis plusieurs semaines déjà, on le sait. Les autorités sanitaires sont en alerte, même si ces patients sont toujours sous soins intensifs. Des mesures sont prises pour barrer la voie à la propagation du coronavirus. Nous avons pour invité du journal le délégué régional de la santé publique pour l'Ouest, Dr Shimon Daouda. Il s'exprime au micro de Christelle Kémonier. Dr Shimon Daouda, délégué régional de la santé publique de l'Ouest, bonjour. Bonjour madame. Quelle est la situation du coronavirus à l'Ouest et quel est l'état de santé des personnes infectées?
La situation, c'est celle que vous avez déjà prise dans, de la bouche même de son excellent monsieur le ministre de la Santé publique. L'Ouest a déjà enregistré 3 cas positifs. Et tous les 3 cas, 2 sont très bien. Ils ont déjà une bonne situation clinique. Il y a le troisième qui est suivi de très près. Quels sont les défis à relever actuellement? Le principal défi, c'est celui d'amener nos populations à changer leur comportement. Vous savez, il faut, dans cette lutte, les mesures d'hygiène sont les seules presque prescrites jusqu'à l'heure actuelle. Et comment allons-nous amener nos populations, par exemple, à ne plus se saluer, à ne plus s'embrasser? Voilà les défis. Comment allons-nous amener nos populations à ne plus assister à des attroupements lors des funérailles, des enterrements, tous les mariages? Voilà les défis. Et nous avons des équipes qui sont déjà sur le terrain, notamment pour la sensibilisation. Et c'est l'occasion de remercier même certains partenaires qui nous appuient dans ce domaine. Et nous avons formé des équipes de mobilisation, que ce soit au niveau des districts de santé jusqu'aux aides de santé. Tous les agents de santé communautaires sont sollicités et dans tous les villages, les gens font des porte-à-porte, des causeries éducatives pour sensibiliser, mobiliser les populations autour de cette lutte pour qu'ils puissent appliquer toutes les mesures d'hygiène prescrites. Docteur Chinmunda Ouda, quelles sont les précautions prises ou encore que fait la délégation régionale de la santé pour les personnes qui ont été en contact avec les personnes infectées? Nous avons mis le EGI, le système de gestion des incidents, à travers sa branche opérationnelle, la section des opérations. Nous avons des équipes, déjà au moins 8 équipes qui sont mobilisées sur les terrains. Chaque équipe est composée des épidémiologistes, des hygiénistes. Les épidémiologistes font des enquêtes, ils enquêtent autour des cas. Les hygiénistes, ils désinfectent tous les lieux. Et puis nous, toutes ces personnes sont traquées, comme on dit. Et ça nous permet déjà de faire la cartographie de toutes les personnes en contact dans la région et qui sont suivies. Quand vous devenez un cas à investiguer, nous envoyons des équipes, vous cherchez, et puis on fait des prélèvements qu'on envoie au niveau central et on attend la suite. Donc nous avons réussi à traquer presque tous les cas. Nous sommes autour de 80% des cas. Donc il reste 20 environ où nous n'arrivons pas souvent à trouver les numéros de téléphone. Donc voilà ce que nous faisons pour traquer toutes les personnes qui ont été en contact avec des personnes suspectes et des personnes infectées. Et pour ceux qui sont à la maison et qui ressentent quelques symptômes, que doivent-ils faire? Ce que nous leur conseillons, déjà, le numéro est connu. Nous avons le numéro que vous savez, que tout le monde leur a communiqué, le 677 89 72 87. Nous leur demandons déjà d'appeler ce numéro et de rester sur place. Et nous envoyons des équipes ou bien une équipe descendre pour faire l'enquêter et puis au besoin le prélever ou le ramener au niveau de l'hôpital régional où nous avons mis toutes les structures pour les accueillir. Merci beaucoup Christelle Kemonier qui s'entretenait avec le délégué régional de la santé pour la région de l'Ouest, le docteur Chinmunda Ouda. Et c'est sur cette note de santé que nous allons refermer ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rainatou et moi, on vous donne rendez-vous à demain quand il sera à 12h sur la CRTV. Excellente suite des programmes.